Tu peux nous transformer en morphole? Jouons à un jeu. Celui qui rebondit le plus haut gagne. C'est un morphole. Quoi? Super. En forme hélicoptère. Ça sent mauvais. Suivons-les. Essaye d'atterrir, April. C'est... Oh ouais. Pas facile. Oh non. Il heurte la grue. Transforme-toi en ballon. Orphel va bien, mais la grue bouge encore. Bâtisseuse, je suis là pour... Oh! Vite, Morphle, transforme-toi en avion. Ah! Wouhou! Maintenant, je veux être un robot. Désolée. J'ai une autre idée pour l'attraper. Travaillons ensemble. Arrête-toi là. Oh non. Oui, on l'a fait. Vous deux, vous avez causé beaucoup de problèmes dans la ville. Je suis désolée, Mila et Morphle. Je ne devrais plus être Morphle. S'il te plaît, Glitterbug, peux-tu nous retransformer? Non! Je ne me suis jamais autant amusée. C'était amusant, mais être Morphle était si difficile. Je suis heureuse d'être à nouveau moi-même. Il ne peut y avoir qu'un seul Morphle et une seule April. Et je vous aime tous les deux. Voici Robot Freeze, une version robot de l'agent Freeze qui combat le crime. Il est vraiment bel homme. Robot Freeze a 3 réglages: désactivé, indulgent et strict. Faisons une démonstration. Mila, peux-tu jeter des déchets, s'il te plaît? Veuillez ramasser ce détritus. Morphle, transforme-toi en pince à déchets. Merci. Tu es une bonne citoyenne. Testons la version stricte du robot. L'incivilité est une maladie et je suis le remède. Vous êtes en état d'arrestation. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Reposez-moi! Je pense que j'ai fait le réglage strict un peu trop strict. Oh, Morphle, il faut que nous désactivons le robot Freeze en appuyant sur le bouton de sa poitrine. Allez, viens. Stop! Je vous arrête pour avoir marché sur l'herbe. Ah, et je ne marchais pas sur l'herbe. Vous alliez le faire. Hein? Morphle, attrape le robot Freeze. Activation du super jetpack. Morphle, transforme-toi en super costume. Morphle, allons-y. Plus vite, Morphle. Oh, il est trop rapide, Morphle. Mais comment attraper un policier?
Votre grue est trop bruyante. Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Je vais laisser tomber ce papier. Restez dans votre véhicule, citoyenne. Je vais revenir. Il arrive! Morphel, transforme-toi en voiture de police. Morphel, en Ne jetez pas ça par terre. Je vous arrête. Vous devrez d'abord m'attraper. Robot Freeze piégé! Laissez-moi sortir. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir été trop strict. Je n'avais jamais eu à m'arrêter moi-même avant. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Blanc. Alors c'est toi qui as volé toutes les couleurs de la ville. Tu ne devrais pas faire ça. Un monde sans couleurs n'est pas amusant du tout. Couleurs amusantes. Oui. Tu es là, Chroma. Je te cherchais. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville parce que tu as enlevé toutes les couleurs. Morphel peut aider Chroma à tout repeindre dans ses couleurs d'origine. Eh bien, il semble que vous aviez raison. Je vous en prie, allez-y. Vous avez déjà résolu tous les problèmes de la ville. Morphel et Chroma font une super équipe tous les deux. Ouais. T'es trop mignon, toi. C'est tellement drôle de penser qu'un jour tu seras grand et effrayant. Avec ce zapper qu'on a volé au professeur Paola, on peut transformer ces animaux en géants. Je suis sûre qu'on va passer une super journée au zoo, Morphel. Oui. Mila, Morphel, les bandits transforment tous les animaux en géants. Oh non, on doit récupérer le zapper. Morphel, transforme-toi en super-héros. Oh!
C'est pas génial, Barky? Donnez-nous les appareils, bandit. Je ne pense pas. Yorn, allez appeler. Nous n'avions pas pensé à ça. On reviendra. Oui. Super. Maintenant, on va zapper tous les animaux. Là, c'est le pingouin. Vous êtes devenu petit, mais vous êtes encore plus mignon. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Morphel? Morphel veut s'amuser. Oh, ça a l'air sympa. Je sais. Morphel, transforme-toi en monstre truck. Monster truck. Magique.
Bien attrapé, Mila. Il a atterri dans mon chapeau. Un requin! Il y a un requin! Oh, oh non! On doit l'aider. Morphel, transforme-toi en bateau de course pour qu'on puisse vite aller l'aider. Morphel, oh, oh! À la rescousse! Coincé dans les algues. Je vais t'aider, Morphel. Oh! Tu vas bien? Je vais bien, mais je n'ai pas vu où le requin est allé. Je suppose qu'il est reparti. Morphel, tu dois te retransformer en toi-même pour te libérer. Ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité, je te le promets. Nous sommes avec toi et ce stupide requin n'est plus là. Allons jouer. Et si on faisait la course pour regagner la plage? C'est parti! Le requin est de nouveau là! Morphel! Oh, oh. Attends, je reconnais ce ricanement. Je pense qu'Orphel fait juste semblant d'être un requin effrayant. Il nous fait une farce. Ce n'est pas très gentil. Non, tu as raison. On devrait peut-être montrer à Morphel ce que sa farce nous a fait ressentir. Morphel, s'il te plaît, transforme-toi en un plus gros requin qu'Orphel. Morphel, oh, oh, oh. On ne veut pas être méchant, Morphel. Nage simplement autour d'Orphel. Je voulais te montrer à mon tour ce que l'on ressent. Orphel, désolé. Je suis sûre que tu ne voulais effrayer personne. Orphel veut jouer. Pourquoi ne pas jouer à un jeu tous ensemble? Ouais. On pourrait jouer à cache-cache. Ou au polo dauphin. Morphel et Orphel pourraient se transformer en dauphin et on pourrait les chevaucher. Morphel et Orphel. Ne laissez pas le ballon tomber dans l'eau. Regarde. Ce n'est que moi. Ce n'est pas un requin. C'est papa qui porte son chapeau aileron de requin. Oh papa. Hé, hey, que diriez-vous d'une course entre papa et les dauphins? C'est un jour magique avec un animal magique. Regarde, il y a un lion qui va venir vivre aux eaux dès aujourd'hui. J'adore les lions. Orphel aime les lions. Le
lion! De quel côté est parti Orphel? Merci. Il pense que le lion est Orphel. Le voilà. Tu fais peur à tout le monde. Orphel ne fait peur à personne. Le lion! Le lion! Morphel, Orphel, transformez-vous en voiture souris. Morphel, Orphel, Morphel! Allez, direction le zoo! Je vous remercie de l'avoir ramené sain et sauf. Allez, viens, Tiddles. Au revoir, Tiddles. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. On va te dégommer! Oh non! Ce sont les bandits! Ouais! Et on va répandre cette gelée gluante partout en ville! Non! Ne leur dis pas le plan, imbécile! On doit les arrêter! Morphel, transforme-toi! Pas dans ma ville, Mila et Morphel! Qu'est-ce que tu penses faire? On doit attraper les bandits! Vous devez surtout nettoyer tout ce gluant désordre que vous avez mis. Mais nous... Maintenant. Allez, nettoyons ça vite. Maintenant, empêchons ces bandits de rendre la ville gluante. Vous continuez de rendre la ville gluante? Nettoyez tout ça! Mais nous... Maintenant! Ok, officier Freeze. Oui! Encore nettoyé! Besoin de quelque chose qui peut atteindre la bave en hauteur. Morphel, transforme-toi en camion de pompiers. Morphel, mort. Oui, on l'a fait, Morphel. Mais maintenant, on doit attraper ces bandits. Allons-y. Ils sont là. Vite, Morphel, aspergez-les avec de l'eau. Tu peux le faire, Morphel. Non. Donc, c'était les bandits qui mettaient tout ce bazar depuis le début. Ben oui, c'est ce que j'essayais de vous dire. Désolé, Mila et Morphel. J'ai tiré des conclusions hâtives. Et merci pour le nettoyage de la ville. Maintenant, je dois nettoyer les rues des méchants. C'est pas grave. Au moins, on a attrapé les bandits gluants. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Waouh! Waouh! Regardez cette étoile qui traverse le ciel à toute vitesse. C'est une étoile filante. Jette un œil. Savais-tu que lorsque tu vois une étoile filante, tu dois faire un vœu? Les étoiles filantes réalisent les vœux? Oui! Orphel veut une étoile qui fait des vœux! Trouvons un endroit plus haut d'où nous pourrons mieux voir l'étoile filante.
comme le sommet d'une montagne. Morphel, transforme-toi en super costume. Morphel, plus rapide. Morphel, veut l'étoile. Morphel, ajoute un jetpack sur le super costume. Vous avez dégradé ma grange. Je ne comprends pas. Notre travail était parfait quand nous sommes partis. Attendez une minute. Orphel, as-tu fait de la peinture aujourd'hui? Oui, Orphel peintre. Peux-tu me dire ce que tu as peint? Tableau, voiture, grange. Peinture amusante. Orphel, tu as peint des choses que tu ne devais pas toucher. Veux-tu nous aider à tout réparer? Oui. Bien. Morphel et Orphel, transformez-vous en pinceau. Morphel et Orphel, Orphel. Magnifique. Vous avez su capturer ma beauté. Oh, je sais. Morphel et Orphel, transformez-vous en éléphant. Morphel et Orphel, Morphel. «
Fantastique! Ma voiture est comme neuve! Il nous faut quelque chose de plus puissant que les éléphants pour ça! Oh, je sais! Morphel et Orphel, transformez-vous en camion de pompiers! Morphel et Orphel, Morphmar! Merveilleux! Vous avez refait une beauté à ma grange! Merci de nous avoir aidés à tout remettre en ordre, Orphel! Orphel, grand peintre! Regardez! Allez, les amis, on a encore beaucoup de peinture à faire! Mila, Morphel, le gardien du zoo a appelé. Il a dit qu'il aurait bien besoin de votre aide au zoo. D'accord, papa. Morphel, transforme-toi en maison volante. Ah, Mila, Morphel, super, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que toi et Morphel pouvez aider à amener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison de la nature? Bien sûr! Super! On pourra tous voler dans la maison volante de Morphel. Le désert est chaud et sec. C'est la maison parfaite pour un chameau. Morphel, regarde! C'est un dragon! Je crois qu'il veut venir avec nous. Je pense qu'on peut lui trouver une nouvelle maison, pas vrai, Morphel? Oui! Oh-oh! Le pôle sud est la maison parfaite pour un pingouin. Mais c'est bien trop froid pour un dragon. Ok, allons dans un autre endroit. La forêt tropicale est la maison parfaite pour un singe. Oh oh, mais je pense que la forêt tropicale est trop humide pour les dragons. Ce n'est pas facile de trouver l'endroit parfait pour un dragon, mais nous n'abandonnerons pas. Regarde, Morphel, c'est un volcan. C'est vraiment l'endroit parfait pour un dragon. Ok, dragon, tu sembles très heureux dans ta nouvelle maison. Maintenant, il est temps pour Morphel et moi de rentrer à la maison. Tu es un animal magique. Peu importe où les animaux magiques se trouvent dans le monde, ils ne se sentiront jamais chez eux sans leur compagnon humain. Mais j'ai déjà un animal magique, Morphel. Mais je sais où on peut te trouver un super compagnon humain. Au centre des animaux magiques, nous vous trouvons un compagnon magique en un rien de temps. Regarde, Morphel, comme ça. Morphel aussi, Morphel aussi. Ne t'inquiète pas, Morphel, tu vas prendre le coup de main, mais tu ne seras jamais aussi bon que ce petit gars. Voici Boba, notre nouvel animal magique. Boba adore faire des bulles. Il a tendance à buller de joie à cause de ça. Oh, oh, tu vois? Ça a l'air amusant. Boba, c'est assez haut là. Je ne peux pas sortir. Morphel, transforme-toi en quelque chose de grand. Ah, le camion à benne. Waouh. Maintenant, Morphel sauve Mila. Mila? Oh oh. Qu'est-ce que... À l'aide! Aidez-moi!
voiture qui tombe du ciel. Ouf. Te voilà, Boba. Écoute, tu ne peux pas juste faire des bulles magiques partout. Ça cause beaucoup de problèmes. Papa! Morphal, tu peux éclater ma bulle? Oh! 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 Ouf! Merci, Morphal. Dans la bulle, de savoir si j'allais revoir ma voiture. Eh bien, Boba, la prochaine fois que tu fais des bulles, ne le prends pas si littéralement. Nous avons appris la sécurité incendie à l'école aujourd'hui, Morphel. Oh, cool. Bien vu, Morphel. Maintenant, nous sommes prêts si jamais il y a un incendie. Morphel, je sais comment on peut éteindre le feu. Monsieur Vanderpuss, vous allez bien? Morphel et moi avons vu de la fumée. J'étais en train d'allumer mon barbecue. Oh, nous sommes désolés, monsieur Vanderpuss. Vous savez ce qu'on dit, la sécurité d'abord. Oui, et l'appétit en second. Sois attentif au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de notre aide, Morphel. D'accord. Hein? Morphel, je sens de la fumée. Là. Morphel, on va avoir besoin d'un gros camion de pompiers pour combattre cet incendie. D'accord, Mila. Par ici, Morphel. Utilisons ta lance à incendie et éteignons le feu. Oh, monsieur Vanderpuss, mais que faites-vous ici? On ne peut pas faire un barbecue n'importe où en paix. Oh non. Oups. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis en sécurité. Enfin tranquille, hein? Personne ne va nous déranger ici. Que le barbecue commence. Au feu! Ça a l'air d'être un vrai feu cette fois-ci. Mila, Morphal, je suis vraiment contente de vous voir. Barky! Que quelqu'un sauve Barky! Morphel, transforme-toi en camion Ben! C'est comme ça qu'on éteindra le feu! Vite! Ramasse beaucoup de sable! Ah! Excellente idée, Mila! Maintenant, jette-le sur le feu! Travail, Mila et Morphel. Merci beaucoup, pompier Stacy. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Regardez, ceci est ma nouvelle invention, le Teddy Zapper. Il peut transformer les humains en ours en peluche. N'est-ce pas génial? Morphel joue avec l'ours en peluche Mila. Au revoir, professeur Paula. Au revoir, Mila et Morphel. Maintenant, il est temps de me retransformer. Oh non! Mes pattes de nounours ne peuvent pas attraper les Teddy Zapper. T'as entendu ça? Ouais! J'adore les ours en peluche.
Imagine comme nous serions heureux si nous transformions tout le monde en ville en tout petit ours en peluche. Hop là. Oh! Ours en peluche, Mila! Meilleur ours en peluche! Oh! Bandy! Ils ont pris le teddy zapper! Pas dans ma ville! Nous allons arrêter ces bandits! Morphel, transforme-toi en tigre! Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Votre chapeau magique! Quoi? N'y pensez pas! Hey! Retransformez-moi immédiatement! Vous ne mettrez pas la main sur nos chapeaux magiques! Morphel, transforme-toi en T-Rex effrayant! Morphel! On n'avait pas pensé à ça! On doit encore trouver le teddy zapper! Vite, attrapons-les! Et si on vous transformait en ours en peluche? Le teddy zapper ne fonctionne que sur les humains! Oh non! Maintenant, je suis un ours en peluche! Oh, tu es si mignon! Ah! Super! Maintenant, nous pouvons zapper tout le monde à nouveau! Ah, c'est mieux! Mais pas pour vous deux! Oh, c'est pas grave, au moins j'aurai un ours en peluche avec moi en prison! Yorn, lâche-moi! Chaque jour est un jour magique avec un animal magique! Ah, Morphel, n'est-ce pas génial qu'il n'y ait rien de bizarre au zoo aujourd'hui? Ah! Il se passe quelque chose de bizarre dans le zoo! Le tigre se prend pour un pingouin! Les singes se prennent pour des tigres. Les pingouins se prennent pour des éléphants. Oh, ces animaux désorientés ont besoin de notre aide. Vite, transforme-toi en tigre. Parfait. Bien, va montrer à ce tigre confus comment il est censé agir. Morphel, aide les tigres. Les autres animaux.
attention aux girafes affamées la prochaine fois, professeur Paola. Bonjour, Mila et Marfel. Bonjour, tante Augustine. Cadeau pour Tati. Nous l'avons fabriqué avec nos bouteilles recyclées. Oh, c'est absolument magnifique. Oh, merci. Je sais, et si je vous offrais du gâteau? Marfel adore les gâteaux. Oh, mon collier, il a disparu. Ne t'en fais pas, tante Augustine, on va le retrouver. Oh. C'est une affaire pour l'inspecteur Mila. Ah ah, notre premier indice. Oh, un papier de bonbons. Comment trouver collier? Je sais. Morphel, transforme-toi en chien renifleur. Suis l'odeur des bonbons. Bon travail, Morphel. Tu as trouvé un autre bonbon. Hein? Qu'y a-t-il, Morphel? Il n'y a plus de bonbons. Il doit y avoir d'autres indices par ici. Ah ah! Notre deuxième indice. Maintenant, on sait qui a pris le collier de tante Augustine. C'est un lapin? Non, voyons. Les bandits. Ça doit valoir beaucoup d'argent. Rendez-le moi. Collier de Tati. Vite, partons d'ici. Viens me chercher. Hé, revenez ici. Transforme-toi en Delta Plane. Ils sont là. Bandit, trop rapide. Morphel, atterris là-bas. Morphel, transforme-toi en araignée. Morphel, Morphel. Prépare-toi à faire une grande toile entre les bâtiments. Maintenant, Morphel. Ouais, on a réussi. Beau travail, inspecteur Mila et Morphel. Vous avez attrapé les voleurs de colliers. Oh, c'est mon collier. Je récupère ceci. Oh, je vous remercie. Si vous aviez évité cette toile d'araignée géante, nous aurions pu vendre ce collier pour beaucoup d'argent. Winston, Morphel et moi avons fait ce collier avec du plastique recyclé. Oh, tu avais dit qu'il était fait en diamant. Oh, c'est peut-être fait en plastique, mais c'est la chose la plus précieuse que je possède, parce que vous deux l'avez fabriqué. Merci. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. As-tu hâte d'aller aider April à réaliser son projet artistique, Chroma? Allons-y. Mila! Bonjour, Morphel. Mila, transforme-toi en ours géant effrayant. Morphel n'aime pas faire peur. Ce sera amusant, Morphel. Allez, fais-le. D'accord, Mila. Allez, Morphel, faisons en sorte que cette journée soit espiègle. Je veux dire magique. D'accord, Mila. Après avoir peint avec April, nous pourrons tous manger une glace, Morphel. Morphel? Morphel! Ah! Un ours! Salut, Mila et Morphel. C'est une nouvelle transformation? Oui, oui, c'est ça. Morphel rugit. Hein? Maintenant! En avant, Morphel! Regarde, c'est April! Allez! April,
ça doit être mon reflet du monde des miroirs. Lila la maléfique! Il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter. Miam! Morphle! Éloigne-toi d'elle! Je suis la vraie Mila! Non! C'est moi! Je sais! Non! Je suis la vraie Mila! Non, c'est moi! Qu'est-ce que c'est? Morphle! Transforme-toi en requin effrayant pour les effrayer! Non, Morphle! Transforme-toi en hélicoptère pour t'envoler! Morphle ne sait pas quoi faire! Ce n'est pas ce que je voulais! Vrai, Mila? Oui, tu sais, j'étais tellement inquiète pour toi! Je vais leur montrer! Mila, la maléfique, s'enfuit! Nous devons mettre Monsieur Miroir juste devant elle! Morphle, transforme-toi en hélicoptère! D'accord! Tu dois rentrer chez toi! Jamais! Tu es en sécurité maintenant, Morphle! Morphle et Mila! Monsieur Miroir, pouvez-vous nous montrer ce qui se passe dans le monde des miroirs? Ceci est tout à fait dans mes cordes, Mila! Morphle aime le monde des miroirs! Non, 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 Morphle! Remets-le à sa place, vite! C'est Orphle, dans le monde des miroirs, tout est à l'opposé de ce qui se passe dans notre monde! Et comme Morphle est très amical, j'ai peur qu'Orphle ne veuille faire que de mauvaises choses! Bien vu! Il ne faut pas qu'Orphle se promène dans la ville et sème la pagaille! Viens, Morphle, jouons un peu avec Chroma! Bonjour, Morphle. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, officier police, génial. Qu'est-ce que tu fais? Morphle. Morphle, tu ne peux pas juste me laisser ici. On dirait que quelqu'un te cherche, Morphle. Te voilà, Morphle. Maintenant, fais-moi redescendre d'ici. Merci, mais je n'apprécie pas ce genre de manigance. Bien sûr, non. Comment ça, non? C'est pourtant toi qui m'as mis sur le toit. Mais Morphle était avec nous à l'intérieur pendant tout ce temps. Non, il m'a mis sur le toit et il en riait. Comme ça. Oh non, ça ressemble à Orphle. Oh, nous devons le trouver. Mais qu'est-ce que tu fais, Morphle? Tu construis quelque chose, hein? Oh! C'est vraiment pas drôle, Morphle. Mais si lui c'est Morphle, c'est qui lui? Orphle. Qui c'est qui gagne? Et qui est le vrai Morphle? On doit s'assurer qu'Orphle ne puisse plus prétendre être Morphle. Chroma, pas Orphle en vert. Orphle vert? J'espère qu'Orphle ne nous refera plus le coup. Mila, Morphle, Géraldo est au téléphone pour vous. Merci, papa. Salut, Géraldo. Bonjour. Pour vous remercier de toute votre aide, j'ai créé un nouveau parfum de glace.
le mix Mila et Morphle. Oh, elle est tellement bonne que je ne peux pas m'arrêter d'en manger. Et maintenant, il n'en reste presque plus. De la glace. Il faut que vous veniez vite. Avant que je ne finisse tout, je suis sur l'île de la jungle. Orphel, viens aussi. Oh non, c'est Orphel. S'il arrive le premier, il va manger toute la glace spéciale. Transforme-toi en voiture de course super rapide pour rattraper Orphel. Morphle, mort. Allez, Morphle, rendons ce jour magique. Youhou. Oh. Attention, Morphle. Je viens d'en refaire. Maintenant, il y en a assez pour tout le monde. Encore. Chaque jour est un jour magique avec un animal magique. Un sérum de jeunesse que je vais tester sur mon assistant. Oh, c'est si mignon. Je ne sais pas m'occuper d'un... d'un bébé. Tu dois l'emmener voir son papa pendant que je prépare un antidote pour la retransformer. Mila? Thank you.
N'est-ce pas idiot? Hein?